La méthode APN qui a été développée, enfin mise au point dans le cadre de la thèse de Clément Chrabier que j'avais co-encadrée avec Jean-Marc Ménard et Arvalis, Jean-Marc Arvalis. Et maintenant on a Arthur Lenoir qui travaille avec nous sur cette méthode-là. Donc APN, ça s'écrit comme ça, non pas H-A-2-P-Y ni A-P-I, ça veut dire apprendre à piloter la nutrition azotée de l'eau. Voilà. Donc, de quoi on est parti en fait? Pourquoi on a développé cette nouvelle méthode? Donc, on a travaillé sur le blé. Sur le blé, vous savez qu'il y a la méthode du bilan qui existe depuis super longtemps, 40 ans. Pourquoi en fait on a décidé de réfléchir à une nouvelle méthode? Parce que là, cette méthode du bilan, donc, on savait qu'elle avait plein d'atouts. Elle était très reconnue, très diffusée. Et elle était basée sur des éléments scientifiques incontestables, en fait, très précis, rigoureux, etc. Et en plus, c'est une méthode qui a été améliorée, donc elle a été proposée il y a 40 ans à peu près, et depuis, elle est améliorée aussi bien par les scientifiques que par les acteurs sur le terrain, puisqu'ils contribuent à améliorer les différents paramètres des différents postes. Voilà. Et donc elle est diffusée massivement et les références sont mises à jour régulièrement par le commissaire. Donc quelque chose qui apparaît très solide d'un côté. Mais le problème c'est qu'on était face au fait qu'elle ne résout pas tout un ensemble de problèmes. En particulier on continue à avoir plein d'impacts environnementaux négatifs liés à la fertilisation azotée, aussi bien de nitrates dans les eaux, d'émissions de gaz à effet de serre, de forte consommation en énergie fossile, et puis des performances de la fertilisation parfois insuffisantes, des faibles efficiences d'utilisation de l'azote, par exemple, avortées, ou même des teneurs en protéines et parfois des rendements qui n'étaient pas satisfaisants. Donc, du fait que c'était une méthode scientifique rigoureuse, on s'est dit, peut-être qu'il y a des difficultés en fait, de mise en œuvre de cette méthode sur le terrain. Donc, on a fait un premier travail avec Clémence, qui a été d'analyser les difficultés rencontrées avec les méthodes et outils existants, mais finalement qui tournaient beaucoup tous autour de la méthode du bilan, pour fertiliser. Donc on a mis en œuvre un diagnostic des situations d'usage qui a permis d'identifier ces problèmes. Je ne vous détaille pas tous les problèmes, ils sont juste résumés ici. Le premier problème, c'est que il n'y a clairement pas de consensus sur la manière de fixer l'objectif de rendement, qui est un élément, qui est un pilier, un élément clé de la méthode du bilan. En fait, les différents acteurs ont chacun leur définition de l'objectif de rendement, ce qui crée un flou et ce qui crée une imprécision dans les doses apportées, il peut être assez énorme. Deuxièmement, la méthode du bilan, elle est basée sur une mesure du reliquat sorti hiver, du reliquat d'azote minéral dans le sol à la sortie hiver, à l'ouverture du bilan. Or, par des enquêtes, le diagnostic des situations d'usage, c'est des enquêtes qu'on fait auprès de différents acteurs, on s'est rendu compte que l'analyse de sol, en fait, les acteurs n'avaient pas confiance dans cette analyse de sol. Pour vous donner certains exemples, il y a beaucoup d'agriculteurs ou de conseillers qui nous ont dit on fait l'analyse de sol, on fait le reliquat, mais quand ça dépasse 70, on n'y croit pas trop, 70 kg par hectare, on n'y croit pas trop, donc on n'utilise pas cette valeur-là. Or, justement, l'analyse de reliquat sortie hiver, elle est faite pour identifier les situations où il y a plein de reliquats. Donc voilà. Et troisième élément, en fait, beaucoup d'acteurs ont mentionné le fait que finalement les pratiques ne permettent pas de maximiser l'efficience d'utilisation des engrais, notamment parce que pour respecter les stades recommandés d'apport d'azote, en particulier le sacro-saint stade et puis 1 cm du blé, en fait, les agriculteurs anticipent les apports pour éviter des risques de sécheresse. Et en anticipant les apports, on diminue en fait l'efficience d'utilisation de l'azote. Donc clairement, il y avait des problèmes d'usage de cette méthode.
Donc la question qu'on s'est posée dans la thèse, c'est est-ce qu'on peut raisonner la fertilisation azotée sans objectif de rendement et si possible sans reliquat sortie hiver, c'est-à-dire en enlevant deux pieds importants de la méthode du bilan, et comment prendre en compte le risque de sécheresse pour maximiser cette efficience d'utilisation de l'engrais. L'autre élément sur lequel on est parti, c'est qu'il y avait quand même des connaissances non valorisées, récentes, plus ou moins récentes, non valorisées dans la méthode du bilan. Je vous en présente deux ici. La première connaissance pas vraiment prise en compte, c'est que les pertes d'azote, notamment les pertes ammoniacales, sont très dépendantes des conditions climatiques, notamment de la présence ou non de pluie, juste après l'apport d'azote, en gros dans les 3 jours qui suivent un apport d'azote. Et vous voyez qu'on a une diminution, si le sol est sec dans les 3 jours suivants, on peut avoir des pertes ammoniacales importantes, hein, jusqu'à 70% de l'engrais apporté est perdu. Et par contre, en gros, à partir de 10 mm, mais vous voyez que ce n'est pas un seuil absolu, on diminue de manière vraiment notable ces pertes ammoniacales. Donc, premier élément important. Deuxième élément important, c'est que le coefficient apparent d'utilisation de l'engrais, donc l'efficience d'utilisation de l'engrais, est dépendante de la vitesse de croissance de la culture au moment de l'apport. Si une culture pousse pas beaucoup, ben l'engrais il n'est pas utilisé et il est perdu. Donc vous voyez, une relation assez importante. Donc en fait, ça nous amenait à nous dire qu'il fallait prendre en compte les conditions météo au moment de l'apport et la vitesse de croissance de la culture pour justement maximiser cette efficience dont les acteurs se plaignaient. Autre connaissance non valorisée, c'est l'effet de carence azotée temporaire. Donc là, je vous montre en fait deux résultats d'essais, 2 années successives, où on a un suivi d'indice de nutrition azotée. Donc en gros, quand on est en dessous de 1 ou de 0,9, la culture est en carence. Donc un suivi de l'indice de nutrition azotée entre sortie hiver et la floraison. Et vous avez à chaque fois un témoin bien fertilisé et une situation dans laquelle on va avoir une carence azotée temporaire qui va être levée grâce à un apport d'azote. Et dans ces deux situations-là, vous voyez que le traitement carencé n'a pas un rendement significativement différent du témoin bien fertilisé. Alors qu'on a une carence qui est relativement forte puisqu'on descend à 0,5-0,6 dNN. Donc ça voulait dire ça, que toutes les carences ne sont pas préjudiciables pour le rendement, et donc ça ouvre une porte à raisonner la fertilisation azotée différemment de ce qu'on fait dans la méthode des bilans, puisque la méthode du bilan, en fait, elle suppose que la culture ne doit jamais être en carence tout au long du cycle. Du coup, ça amène plutôt à surfertiliser. Donc la question qu'on s'est posée derrière, c'est est-ce qu'on peut déterminer une trajectoire d'INN seuil ? Ok, on peut accepter des carences, mais jusqu'où on peut les accepter? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé plein d'essais dans lesquels il y avait un traitement bien fertilisé et des traitements avec des carences, sur lesquels l'indice de nutrition azotée avait été suivi à 4 stades. Et vous voyez ici toutes les trajectoires en fait, de toutes ces modalités d'essais, avec en bleu les trajectoires pour lesquelles il n'y a pas eu de perte de rendement par rapport au témoins bien fertilisés, et en rouge, les situations où il y a eu perte de rendement. Vous n'y voyez rien, c'est normal. Donc, par rapport à ces trajectoires, je vous remets ici la trajectoire qu'on vise dans la méthode du bilan. Hein, dans la méthode du bilan, on essaye de jamais passer en dessous de cette trajectoire-là, qui passe à 1. Et quand on essaye de discriminer les deux populations, rouge et bleu ici, désolé pour les daltoniens, on arrive en fait à cette trajectoire-là, donc qui est la meilleure trajectoire qui discrimine les deux populations. Donc c'est une trajectoire qui, vous le voyez, est nettement en dessous de la trajectoire recommandée dans la méthode du bilan aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie cette trajectoire seuil? Elle signifie 3 choses. D'une part, si on passe une fois en dessous, on est sûr de perdre du rendement. D'autre part, si on est au-dessus de cette trajectoire seuil, il n'y a pas de perte de rendement ni de perte de teneur en protéines. Et troisièmement, si on est entre ces deux trajectoires-là,
on a une amélioration de l'efficience d'utilisation de l'azote par rapport à la situation où on est au-dessus de la trajectoire recommandée dans la méthode du bilan. Du coup, on a intérêt à ce que notre culture de blé, elle se balade, son indice de nutrition azotée, se balade entre ces deux trajectoires-là. Donc maintenant, comment gérer la fertilisation azotée pour faire ça? C'est l'objet de la méthode APN. Donc, je ne vous décris pas comment on l'a mise au point. Si vous avez des questions, j'y répondrai, pas de problème. Je vous décris comment on la met en œuvre sur le terrain, cette méthode. Donc, l'idée, c'est qu'entre sortie hiver et floraison, on va proposer de réaliser un suivi de l'indice de nutrition azotée et on va baser les règles de décision de fertiliser sur la base du suivi de l'indice de nutrition azotée de la culture. Donc, première chose importante, c'est à quel moment on contrôle l'indice de nutrition azotée pour décider ou non de faire un apport d'azote. Donc on recommande, compte tenu de ce que je vous ai dit avant, on recommande de faire ce contrôle lors de ce qu'on a appelé des jours favorables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'apport d'azote depuis 15 jours. On laisse le temps au dernier apport d'azote d'être absorbé par la culture. Et d'autre part, on a une humidité du sol suffisante ou bien il y a une pluie annoncée avec un degré élevé de certitude dans les 3 jours qui viennent pour éviter les pertes azotées. Dès qu'on a ces conditions-là, on va dans notre champ de blé et on contrôle, on mesure l'indice de nutrition azotée. Alors comment on fait ça? Il y a différents outils. Dans la thèse, on a utilisé le HN Tester. On travaille sur d'autres outils. Bon, bref, on a la possibilité d'estimer cet indice de nutrition azotée. Et cet indice de nutrition azotée, on va le comparer à la trajectoire seuil. Et en fait, le principe de décision, c'est qu'il faut que jusqu'au prochain jour favorable, qu'on ne connaît pas bien sûr, qu'on peut connaître par analyse fréquentielle du climat, jusqu'au prochain jour favorable, il ne faut pas qu'on passe sous la trajectoire seuil. Et donc on a calculé des doses d'azote recommandées, qui sont ici décrites dans un ABAC. On les a calculées localement à partir d'un modèle de culture, azodine en l'occurrence, à partir d'un très très grand nombre de simulations, de stratégies de fertilisation azotée simulées sur 20 années. Et on a trié, parmi toutes celles simulées, on a trié celles qui permettent d'atteindre les résultats attendus, c'est-à-dire un rendement le plus élevé possible, une teneur en protéines élevée et des pertes azotées minimales. Donc finalement, ce qu'on donne à l'agriculteur, c'est ce genre d'ABAC, là, qui indique que selon le moment auquel on est, par exemple aujourd'hui on est le 20 mars, donc on va se situer dans cette période-là, l'agriculteur, il a été dans son champ, il a mesuré ou estimé de manière indirecte l'indice de nutrition azotée et il se trouve qu'il est par exemple autour de 0,7. Donc la BAC lui dit, ah ben tiens, il est temps d'apporter 60 unités. La BAC, vous voyez, recommande à certaines dates de ne pas apporter d'azote. Donc, bien sûr, il y a une grosse question qui se pose sur la manière d'estimer l'INN, parce que malheureusement, on n'a pas d'outil ultra efficace aujourd'hui pour faire ça. Donc, dans un projet actuel qu'on a avec la région Centre Val-de-Loire, on a bossé sur différentes manières de faire. On a travaillé sur 2 outils, le Green Seeker et le HN Tester. On a bossé sur l'utilisation des valeurs brutes, donc on fait une mesure sur notre culture, ou l'utilisation de ratios en comparant la mesure sur notre parcelle de blé avec la mesure sur un étalon surfertilisé tout au long du cycle. J'insiste là-dessus parce qu'en fait les expérimentateurs au bout d'un certain temps ils refertilisaient pas et donc à la fin du cycle on n'avait plus notre étalon surfertilisé, enfin à la fin en s'approchant de la floraison on n'avait plus notre étalon surfertilisé, donc c'est important. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que clairement, l'utilisation de ratio est plus intéressante, plus stable que l'utilisation des valeurs brutes. Et là, on va travailler avec des indicateurs basés sur des satellites, en particulier Sentinel-2, qui passent régulièrement et donc peut nous donner des informations intéressantes et plus représentatives de la parcelle entière. Donc voilà, ça c'est juste un aparté par rapport à ça, mais en fait, c'est un élément ultra important de la méthode, parce que
Cette méthode-là, on l'a testée donc l'année dernière sur 20 essais en région centre. Et il y a beaucoup de ces essais sur lesquels la méthode APN, qui était comparée à la méthode du bilan, a donné des résultats inférieurs. Et en fait, à chaque fois, c'est parce qu'on avait une mauvaise estimation de cette INN. Donc du coup, évidemment, la règle de décision derrière, elle a été mauvaise. Mais c'était un problème avant tout d'estimation d'INN. Partout où on a eu des bonnes estimations d'INN, on n'a jamais mis en défaut pour l'instant la méthode telle que je vous ai présentée. Voilà, donc résumé, c'est ma dernière diapo. Résumé de la méthode, donc on ne calcule pas de dose a priori, ce qui peut embêter les agriculteurs pour faire leur stock en saison creuse, mais voilà, on ne calcule pas de dose a priori, on va ajuster la dose en cours de route, ce qui fait au passage qu'on peut, l'année dernière par exemple dans les essais qu'on a eus, il y a certains essais où on a appliqué une dose supérieure à celle recommandée par le bilan, parce que l'année ou les conditions d'essai ont demandé ça. Et du coup, ça montre que cette méthode APN, elle s'adapte mieux à la diversité des situations que la méthode du bilan. En général, on met une dose inférieure. Hein. En moyenne, on baisse la dose totale de 40 unités. Donc là, on base la fertilisation, la décision sur le suivi d'un indicateur plante. Donc c'est un raisonnement dynamique et non pas un raisonnement plutôt statique comme dans la méthode du bilan. On accepte des carences et même on les recommande. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit sur la comparaison à la trajectoire seuil. Hein. Tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas d'effet sur le rendement et le taux de protéines. D'autre part, accepter des carences, ça permet de retarder les apports et donc d'augmenter le CAU. Partout, en fait, on voit que le CAU il augmente quand on applique APN. Apporter en conditions favorables, ça accroît le CAU aussi. En plus, un blé qui n'est pas fertilisé au démarrage, s'alimente aux dépens du reliquat. Hein. Le blé va d'abord vider, entre guillemets, le sol de son stock d'azote minéral. La carence s'installe quand le reliquat va être consommé. On va le voir à travers notre mesure d'indice de nutrition azotée, et donc ça évite d'avoir à le mesurer. Ensuite, une carence au début de la montaison, puisque finalement, la méthode, c'est ça qu'elle va favoriser. Elle va favoriser des carences au début de la montaison, hein, étant donné la forme de la trajectoire seuil. Et ça va réduire le risque de maladie, donc l'utilisation de fongicides derrière, le risque de verse, donc ça permet d'économiser l'antiverse, donc voilà, ça permet de réduire l'usage des pesticides, et ça réduit aussi un peu le besoin en eau, donc ça réduit les risques de stress hydrique derrière. Voilà, donc on réduit les doses apportées, à peu près 40 unités, je vous ai dit. Et alors ce qu'on a vu en faisant un test avec des agriculteurs, c'est que, en fait, les agriculteurs retrouvent une autonomie de décision et surtout retrouvent une compréhension de ce qui se passe dans leur parcelle. Parce que même si, par exemple, à un moment donné, ils se disent « Oh là là, dans mon abac, on me dit de ne pas apporter, mais moi, je pense qu'il faudrait que j'apporte. » Bon, je vais les croire, je ne vais pas apporter, mais bon, il y a... Donc, dans cette situation-là, d'une part, la BAC, elle est quand même sécurisante, donc la fois d'après, il peut vérifier en fait que la décision qu'il a prise était la bonne. Et donc voilà, donc c'est quelque part c'est rassurant. Et d'autre part, je voulais dire autre chose. Oui, si, c'est ça. C'est que quand il apporte de l'azote, inversement, il peut voir suivre finalement l'utilisation de l'azote par sa culture. Pour l'instant, en fait, dans les situations où on teste cette méthode-là avec des agriculteurs, on leur propose de suivre l'indice de nutrition azotée plus souvent que juste les jours favorables, parce que ça, en fait, c'est vraiment une source d'apprentissage pour eux de comprendre comment leur culture fonctionne. C'est hyper important. Voilà, et puis voilà, donc c'est compatible avec les technologies émergentes, mais il y a juste un petit truc, c'est qu'il faudra faire évoluer la réglementation, ce qui ne va pas être une mince affaire, mais... Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle impose d'utiliser la méthode du bilan, et de faire de calculer un objectif de rendement, et de faire un reliquat sorti hiver partout. À partir du moment où on peut se passer d'objectif de rendement et de reliquat sorti hiver, il faudra faire évoluer la règle. Faire un reliquat, d'ailleurs, il n'existe pas. Voilà. Oui, Pascal Farcy, Cassis. Est-ce que les ABAC prennent en compte le système de culture par rapport à un système labour tous les ans, par exemple, et un système comme celui de Cassis avec absence totale de travail du sol, découvert, etc. Alors, on peut le faire, c'est-à-dire on peut refaire tourner. En fait, un ABAC se calcule en faisant tourner des milliers de simulations, donc on peut le faire.
C'est ultra lourd, donc nous on essaye de réduire au minimum le calcul de nouveaux ABAC. Ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que les caractéristiques du système de culture vont d'abord s'exprimer par l'indice de nutrition azotée de la culture. En fait, probablement que dans un système sans travail du sol et dans un système avec travail du sol, les premiers INN, les indices de nutrition azotée en sortie d'hiver, ne vont pas avoir la même dynamique. Et donc, même si on utilise le même ABAC au démarrage, ne vont pas conduire aux mêmes décisions de fertilisation azotée. Et troisième élément de réponse, en fait, les ABAC sont relativement, je vous ai dit, assez sécurisantes. C'est-à-dire, bon, sauf s'il y a pendant un mois de la sécheresse et du coup, on ne peut pas aller contrôler notre INN. Sinon, ben, si à un moment donné, on n'a pas appliqué d'azote, quand on revient la fois d'après, une semaine ou 10 jours après, voilà, on va pouvoir, à partir du suivi de cet indice de nutrition azotée, éventuellement modifier la décision prise. Donc, moi, je pense... Alors, on ne l'a pas encore testé, justement, en région centre. L'année dernière, ils ont voulu mettre quelques essais en non-travail du sol, et puis finalement, voilà, ça ne s'est pas fait. Bon, mais nous, on était très contents qu'ils aient mis des essais comme ça pour tester la robustesse de la méthode. Cette année, je crois qu'il y en a. Donc, on ne l'a pas vraiment testé dans ces conditions-là. Mais moi, il me semble, compte tenu de ces principes et de la manière dont elle a été fabriquée, qu'il n'y a pas de raison que la BAC soit différent en non-travail du sol. Alors, je ne sais pas, voilà, Bernard, alors, après il y a Catherine. Il y a Arvalis qui propose une méthode qui est dans la même ligne, ça, mais si j'ai bien compris, eux, plutôt de mesurer l'INN, ils le simulent en fait, voilà, avec un modèle. Voilà, c'est une méthode qui s'appelle CHN, ouais, voilà, qui est basée sur de la simulation, en effet. Donc, en gros, c'est le même principe, c'est-à-dire on suit l'évolution de l'indice de nutrition azotée et on va apporter ou pas quand on va frôler des carences trop importantes. Donc, effectivement, l'indice de nutrition azotée est simulé. Ils nous ont dit qu'ils ne pourraient pas simuler en tenant compte des caractéristiques exactes de chaque parcelle. Donc, en fait, ils rentrent au départ dans leur modèle des caractéristiques un peu moyennes. Voilà. Et ensuite, l'autre différence, c'est qu'ils tolèrent des carences un peu plus faibles que nous, ce qu'on tolère. Mais en gros, c'est le même principe. Après, c'est le même principe. Après, c'est une différence, je pense, de service. C'est-à-dire que nous, clairement, l'agriculteur, il peut être assez autonome dans sa décision. Dans le cas d'Arvalis, c'est plutôt un service qui est proposé à l'agriculteur. Après, voilà, on bosse avec eux, dans les projets, on est avec eux, donc on essaye de comparer nos méthodes. Voilà. Ma question était un peu dans le prolongement de Bernard, alors si je peux me permettre. Ouais, ouais, ouais. Donc Martin Lechenet, coopérative Dijon Céréales. Du coup, oui, on teste aussi CHN, parce que bon, CHN, c'est pas encore officiellement déployé. Et du coup, nous, dans ce cadre-là, on prévoyait d'améliorer un peu les choses en caractérisant un peu plus finement l'hétérogénéité intraparcellaire, donc en caractérisant mieux les sols, pour alimenter le modèle. Ouais. Et du coup, de ce que je comprends avec votre méthode qui est vraiment plante-centrée, par la mesure de l'INN, en fait, il faudrait revenir sur de l'image satellite et caractériser l'hétérogénéité presque en temps réel si possible, bon, pour l'instant, c'est pas le cas, pour avoir justement cette idée de différence de nutrition azotée et piloter. Voilà. Ah, ça. Donc, c'est-à-dire que finalement, ça va gommer un peu les effets du sol, au final. C'est vraiment la plante qu'on va regarder. Le sol, en tant que tel, on n'en a plus vraiment besoin, si j'ai bien compris. Alors, voilà. En fait, donc deux éléments de réponse. Cette méthode, elle est basée sur un indicateur plante. Donc, effectivement, on n'a plus besoin d'aller mesurer ce qui se passe dans le sol. La plante est révélatrice de l'hétérogénéité de ce qu'il y a dans le sol. Voilà. Deuxième élément de réponse, c'est que, comme je vous ai dit, oui, là, on va travailler avec Sentinelle. Et donc Sentinelle, en fait, donne une représentation entière de la parcelle. Donc en fait, on peut, voilà, spatial. Donc on peut très bien utiliser la méthode APN, par exemple, pour moduler les doses à l'intérieur de la parcelle à partir du moment où on aura l'information avec Sentinelle de l'INN intraparcellaire. Donc on va le faire là cette année. Alors, il y avait Catherine et Nicolas. Vous voulez revenir sur le démo sur fertilité? Oui. Je voudrais savoir quelle fréquence spatiale vous accordez à ce témoin. Et tu vois, quelle est la densité de ce témoin spatial qui est.
Alors, ça, aujourd'hui, là, je ne sais pas répondre à cette question-là, parce que pour l'instant, les essais qu'on fait, c'est des essais en petites parcelles, quoi. Enfin, on est dans des grandes parcelles, mais comme il y a pas mal de modalités, chaque modalité est en petite parcelle, enfin, occupe une faible surface. Voilà, quand on va passer à grande échelle, bien sûr, cette question va se poser, mais on peut y répondre de deux manières, soit en multipliant les placettes surfertilisées, en gros une placette surfertilisée c'est 2 mètres carrés, hein. Soit en multipliant à l'intérieur de la placette les parcelles surfertilisées, soit en les positionnant de manière intelligente, j'ai envie de dire, quand on connaît l'hétérogénéité de sa parcelle. Donc après, en fait, la placette surfertilisée, on s'en fiche un peu de son INN. Ce qu'on veut, c'est que l'INN soit toujours au-dessus de 1. Donc, à la limite, peu importe, il me semble, où elle va être dans la parcelle. Ce qu'on veut, c'est avoir un témoin représentatif du reste de la parcelle, enfin, en tout cas, représentatif dans le sens cultivé pareil que le reste de la parcelle, mais surfertilisé tout le temps. Et dans chaque parcelle, il y aura une claire. C'est super facile à faire, hein. T'as 2 mètres carrés, t'apportes tous les 15 jours le creux de ta main d'azote minéral, c'est hyper facile à faire. Il y a aujourd'hui déjà des chambres d'agriculture qui diffusent ça, en fait, qui même, par exemple, dans des aires d'alimentation de captage, qui donnent à des agriculteurs des petits sachets d'engrais en leur disant vous allez appliquer cette quantité-là sur votre parcelle surfertilisée. Il y a des réseaux de placettes surfertilisés qui sont organisés, suivis et discutés collectivement pour... Alors pour l'instant, elles ne sont utilisées que pour, classiquement, pour déclencher les premiers apports d'azote, mais rien n'empêcherait de les poursuivre plus longtemps. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Si je peux rebondir... Mais moi, c'est pas sur le même sujet. Ça t'a mis l'université de Caen. Oui, la question que je me pose, c'est à quel niveau on accepte de monter sur une parcelle surfertilisée en ILN. En fait, on peut monter. Donc sur le blé, il y a une teneur, il y a la teneur, il y a la courbe de dilution maximum qui a été quantifiée, qui doit monter, si ma mémoire est bonne, à peu près à 1,6 ou 1,8 d'INN. On monte où on veut. Il faut être au-dessus de 1. La norme, c'est ça. Voilà. Attends. Ou tu voulais rebondir encore? Oui, c'est plus un peu. Ah, je voulais rebondir. C'est le début qui rebondit. Parce qu'à Denroy, ce n'est pas à Bordeaux. Ta parcelle surfertilisée, elle sert à caler ta mesure d'INN. Ouais. Parce qu'elle est pas précise. Donc il faut bien que tu sois à 1. Sans... Si tu as une réponse. Mais il faut être au-dessus de 1. Comment tu vas te caler si tu ne sais pas où tu es exactement? Parce que, en fait. Tu es juste à 1 par rapport à tes autres mesures. Parce que, en fait, le ratio. Alors. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Le ratio. Il est valable parce que en fait le HNT il sature. Voilà. Le HNT il sature quand tu es au-dessus. Donc que tu sois à 1,8 ou à 1,4, en fait. Je pense que ça t'amène voilà. Au niveau de Excuse-moi, on t'oublie pas, Nicolas. Quand tu fais ton témoin surfertilisé, c'est quoi qui fait système et parcelle identique? Et donc dans le sens, c'est une question très terre à terre, mais par exemple, dans notre système ouais. TS1, par ouais. exemple, si on a deux blés mais qu'ils n'ont pas le même précédent et tout ça, du coup on est obligé de faire notre témoin surfertilisé dans chacune des parcelles. Faudrait mieux. On peut pas, ouais voilà. D'accord. Donc même pour des agris, c'est assez... Moi je ferais plutôt, mais... voilà, je ferais plutôt... Tu peux pas avoir un témoin surfertilisé pour plusieurs parcelles, même si elles sont petites et... Peut-être qu'à terme on pourra, mais ouais, là, comme on est en phase ouais. De mise au point de la méthode, pour l'instant je ferais plutôt... Donc, c'est pardon, Nicolas. Vas-y. Moi, j'ai deux questions un peu différentes. J'ai pas compris pourquoi tu disais qu'en retardant les apports, on améliorait la coefficient d'utilisation. Parce que, au moins en Bourgogne, moi, j'ai eu l'impression que quand on retardait les dates d'apport, on augmentait largement, surtout ces dernières années, les risques d'arriver dans les périodes de sécheresse voilà. qui font tomber la CAU. Tout à fait. Et donc, le CAU, fait. Pardon. En fait, quand je dis ça, je ne dis pas un truc important, c'est sous réserve qu'on soit dans les conditions hydriques optimales.
Le retard, en fait, l'effet du retard sur l'augmentation du CAU, c'est directement cette relation-là, c'est-à-dire que le CAU, il augmente quand la vitesse de croissance augmente. En gros, dans cette relation-là, qui a été mise au point sur des essais en parcelles agricoles, hein, ici, on est en sortie hiver, donc on a à peu près 50% de CAU. Ici, on est à peu près à épi 1 cm, et ici, on est fin montaison, gonflement, on va dire. Mais bien sûr, à chaque fois, si les conditions de valorisation... Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque que dans une région où il y a des printemps qui sont souvent secs, comme chez nous, ça foute en l'air un peu la méthode? Alors, pour l'instant, en fait, on a fait pas mal d'analyses fréquentielles du climat dans pas mal de régions de France. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les périodes de sécheresse, c'est surtout mars. Déjà en avril, ça diminue. Donc en fait, en avril, on a encore largement le temps d'apporter. Et mai aussi. Avril-mai, les risques de sécheresse en avril-mai, globalement, dans la plupart des régions de France, alors il y a peut-être des exceptions, hein, mais dans la plupart des régions de France, sont inférieurs aux risques de sécheresse en mars. Donc en fait, on a vraiment le temps d'apporter. Mais ça, c'est un truc qui déstabilise beaucoup. On l'a vu l'année dernière dans le projet Solinazo en région centre. En fait, les gens, ils ont tellement l'habitude d'avoir apporté la quasi-totalité de leur engrais au stade épi 1 cm, parce que même si on garde un troisième apport, il est de 40, allez, maximum 60 unités, donc il est très faible, en fait, par rapport à la dose totale. En gros, au stade épi 1 cm, il faut que tout l'azote soit apporté. En fait, cette méthode, quand on la met en œuvre, elle conduit à peu près à l'inverse. C'est-à-dire, en gros, on commence à apporter au stade épi 1 cm. Je caricature un peu en disant ça, mais voilà. Donc, du coup, après le stade épi 1 cm jusqu'à floraison, ça laisse quand même une période. Et du coup, ma deuxième question que personne n'a posée, mais ça se traduit en moyenne par une augmentation du nombre d'apports? Non. Pas du tout. Ça, en moyenne, ça, on arrive à combien d'apports? Deux ou trois. Nous, l'année dernière, dans les essais qu'on a suivis, c'était plutôt deux apports, parfois trois. Donc, non, ça augmente pas le nombre d'apports. Moi, je voulais savoir si vous aviez été jusqu'à l'analyse de la qualité des protéines. Ah non, qualité des protéines, ouais. Caractérisation du type de protéines. Non. Parce que dans ce système-là, on va plutôt gonfler les derniers apports, ouais. Hein, dans la gestion de la carence précoce, ouais. Ce qui est un peu pratiqué. Donc effectivement, moi, je l'ai pratiqué sur différentes variétés. On voit bien l'augmentation de rendement et l'augmentation du taux de protéines. Par contre, j'ai jamais été jusqu'à la caractérisation du type de protéines. On sait que pour nos débuchés meuniers, c'est quand même... Ouais. Voilà. Oh oui. Et on sait aussi que, parce que ça, c'était des travaux de Clermont-Ferrand il y a déjà un bout de temps, la dynamique d'apport, elle change effectivement les rapports enfin, la nature des protéines. Donc, effectivement, ça serait vraiment intéressant d'aller jusque-là. On ne l'a pas fait jusqu'à présent.